demande de Big Biker. Aujourd'hui, première raid de la saison. On est début de saison, mois de mars, 30 mars plus précisément. Mes nouvelles poignées chauffantes. J'ai installé des poignées chauffantes sur mon V-Strom. Je n'avais jamais eu ça auparavant comme équipement. Donc je ne savais pas si ça allait être efficace ou pas. Et puis, je suis étonnamment très surpris. Tout d'abord, les poignées que j'ai achetées, c'est des Biker Master. Je vais mettre la description, je vais mettre dans la description de la vidéo un lien pour voir les poignées. Ça vient dans un beau petit kit, là, déjà prêt à installer sur la moto. Aucun filage à faire, on a juste à placer les fils sur la moto, brancher le plus et le moins sur du courant là, sur la moto. Et ils sont déjà prêts à être utilisés. Ils sont très très simples. 5 niveaux d'intensité. Un, 2 et 3 sont plutôt faibles. 4 et 5, c'est assez, assez chaud, merci. Donc, vous voyez le petit piton rouge sur le stérile. La seule chose qu'on a à faire, c'est d'appuyer dessus. Une petite lumière rouge s'allume. Donc c'est niveau 1, ainsi de suite. Niveau 2, niveau 3, 4, 5. Et pour éteindre les poignées, ce qu'on a à faire, c'est d'appuyer dessus. C'est très simple. La seule hic, c'est qu'en conduisant des fois sur la grande route, c'est pas toujours évident d'actionner les poignées en roulant. C'est la seule ligne que je peux trouver là, aux poignées, parce que autrement, là, sont vraiment confortables. Rien à dire, le niveau de chaleur est assez impressionnant. Le design de la poignée est quand même un assez beau look. Très satisfait de mon achat. C'est sûr que avoir des poignées chauffantes, c'est pas tout. Moi, j'ai des N-Guard, un peu Wind Protector. Ça englobe la main. Avec ça et les poignées chauffantes, c'est un excellent mix, les deux ensemble. Donc, je recommande à tout le monde, Biker Master. Poignées chauffantes sont à peu près 80$ canadiens. Quand même abordable. Si on tient compte que des poignées ordinaires en rubber, c'est environ une quarantaine de dollars. Donc 80$. C'est un bon achat, un bon investissement. C'est sûr que si vous restez dans un pays où il fait chaud à l'année, c'est peut-être pas la meilleure dépense. Mais ici au Québec, on a un hiver qui dure environ 4 mois en moyenne. Donc avoir des poignées chauffantes pour les débuts et fins de saison, c'est très agréable pour les gars, les bikers qui veulent faire de la moto. Le plus longtemps possible. Donc, c'était mon petit topo sur mes poignées chauffantes. Big Banker vous dit, soyez prudents et à la prochaine!